La contestation sociale au Zimbabwe s'exporte en Afrique du Sud. La diaspora zimbabwéenne a manifesté jeudi à Pretoria pour réclamer du changement. Ils étaient plusieurs centaines à se donner rendez-vous devant l'ambassade de leur pays dans la capitale sud-africaine avec le même slogan « Mugabe doit partir ». Nous disons trop, c'est trop. Nous en avons marre de Mugabe au Zimbabwe. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Nous en avons marre de vivre loin de nos parents. Mugabe nous a promis 2,2 millions d'emplois durant les élections. Au lieu de ça, nous en avons perdu plus de 2,2 millions. Pour ces ressortissants zimbabwéens en Afrique du Sud, ce rassemblement n'est que le début d'un vaste mouvement de protestation. Il ne compte s'arrêter que lorsque Mugabe quittera le pouvoir. On ne va pas s'arrêter là. Les choses vont continuer. Nous n'allons pas laisser de répit au gouvernement et on va virer Mugabe et récupérer notre liberté. Le Zimbabwe est paralysé depuis plusieurs mois par une vague de protestations suite aux difficultés économiques que traverse le pays. Les manifestants demandent le départ du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980.